Président, je profite de la présence encore de Madame de La Rodière et de Monsieur Dumont, que je remercie d'être à nos côtés encore. Je vais aller très vite. J'ai trois citations. La première, c'est une de Ford. Je l'ai déjà citée en commission, je le recitée en séance. Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Je voulais remercier l'ensemble des bancs et les parlementaires encore présents pour avoir accepté de co-construire, en tout cas de travailler ensemble, peu importe nos divergences, voire nos désaccords. Je remercie Madame de La Rodière qui parlait d'un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est du collectif, ça se construit ensemble. Et je remercie sincèrement l'ensemble des groupes d'opposition qui ont tous fait des propositions, amendées, proposées. Je regarde aussi sur ma gauche parce qu'on est vendredi soir et que pour la plupart, certains sont rentrés en circonscription. Pour autant, l'ensemble des bancs et des propositions étaient nourris. Merci à tous. La deuxième, et le président de l'Assemblée le sait, j'adore le football, il y a quelques grands fans de football ici, dont notre rapporteur général. Je vais citer Aimé Jacquet, parce que je l'ai toujours aimé. Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est le fait de transpirer ensemble. On n'est pas loin de faire une équipe, parce qu'on a transpiré tous ensemble, en commission, en séance, l'ensemble des groupes. Merci à vous. Et je terminerai, évidemment, avec Saint-Exupéry. On prend de la hauteur, oui. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Je ne sais pas si on a fait ensemble un temple nouveau, et le mot est fort. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on a contribué à consolider les fondations de la maison entreprise, voire à la rénover, tous ensemble. Et je vous remercie évidemment particulièrement les membres de la commission spéciale, mais tous ceux aussi qui ont contribué sans en être membres, pour l'état d'esprit, pour le fond, pour la forme. Je remercie évidemment les rapporteurs thématiques qui ont fait un travail remarquable, de précision, de technicité. Oui, ce texte était lourd, oui, ce texte était technique. Merci vraiment, on a travaillé au plan financier, on a travaillé au plan juridique, on a travaillé dans la bonne humeur, et évidemment, je terminerai avec un grand merci pour la qualité des travaux et de la collaboration avec Roland Lescure, qui est avant tout le président de la commission des affaires éco et aussi le rapporteur général. Et je remercie Madame Delphine Gény-Stéphon et Monsieur Bruno Le Maire, qui ne sont pas à nos côtés, mais nous aurons le plaisir de les accompagner pour le vote solennel, comme l'a rappelé le président Ferrand, mardi. Soyons nombreux pour voter ce texte. Merci à vous, bon repos, bon week-end et à mardi.